still dream about those days when we played. C'était Walking Artifact Jennifer, Summiting Comisi, sur Radio Country. Petite interruption, pour une petite info, apparemment dans le secteur de la zone 51, en Arizona, un ovni a été aperçu dans le ciel, et a été intercepté par la Navy et le FBI. Est-ce une rumeur ou pas? Surtout qu'à notre époque. Et Déborah, pourquoi t'as éteint la radio? Que des conneries tout ça, Monsieur Douglas. T'es encore fâché? C'est ça? Je t'avais dit de prendre l'autoroute. On serait déjà arrivé chez ma mère. Oh ta mère. Ta mère. Toujours pour elle. Oui ma mère. Mais toi tu t'en fous de ma mère. Pourtant t'es bien content d'aller la voir à Venice Beach, pour profiter de la plage et de sa piscine. De toutes les façons, tu ne l'aimes pas. Oh, tout de suite les grands mots, mais on a tout notre temps voyons, nous sommes en vacances. Ne soyons pas trop pressés, en prenant les petites routes, ça nous fera visiter tous les états qu'on ne connaît pas. Ta mère peut attendre quelques heures, elle ne va pas s'envoler. Mais oui, c'est ça. Eh dis donc, t'as vu ce convoi militaire, et ce vaisseau spatial? C'est sûrement un ovni. Ou un prototype d'un avion de guerre. En tout cas, ça ne rigole pas, avec tous ces blindés autour. Et si c'était l'ovni, annoncé à la radio tout à l'heure? Des bêtises, je t'ai dit, c'est un proto. T'as vu le panneau? Ouais. Depuis l'affaire Roswell, dans cette région, les gens sont tous devenus fous. Tu crois? Et mais regarde celui-ci. S'il le signale, c'est qu'il y a une raison. La raison? C'est qu'ici les personnes aiment faire des canulars, ils voient des ovnis partout. D'ailleurs, tu devrais écouter plus ma mère, que les autres inconnus. Écouter ta mère? Si je l'aurais écoutée, avec elle, on aurait déjà divorcé le jour de notre mariage. Et pour ce qu'elle a d'intéressant à dire, je préfère écouter la radio. Ben tu vois, tu ne l'aimes pas ma mère. Ah ça y est. Ça recommence. Tiens. Il y a un motel pas très loin, on va s'y arrêter, ça va nous reposer un peu. T'as sûrement raison, ça va nous détendre un peu. Green Alien Motel? Drôle de nom, c'est vraiment bizarre ici. Ce n'est pas bizarre, c'est seulement du marketing, c'est tout. Marketing ou pas, la route, depuis Atlanta m'a fatigué. Je vais prendre une chambre et me reposer une petite demi-heure. Bonne idée, moi en attendant, je me prendrai un petit café et je ferai un peu de shopping. Ah c'est ici, on va s'arrêter. Eh bien, il y a du monde ici. Oui, il y a foule apparemment. Bonne écoute. Tu ne dors pas pendant 3 heures s'il te plaît, parce que ma mère nous attend, ne l'oublie pas. Oui, t'inquiète pas, une demi-heure ou 3 quarts d'heure seulement, me suffira pour me remettre en forme. Oh, t'as vu toutes ces affiches sur les ovnis et sur les aliens? Du marketing je t'ai dit, c'est du marketing. Bon allez, rentrons. Ok j'arrive, je prends mes affaires. Il est où encore? Ah le voilà. J'arrive. Il y a un peu de monde à l'accueil, il va falloir attendre un peu. Oui j'ai vu ça, t'as vu? Il y a un self-service. Oui j'ai vu. Ah c'est bon, ils s'en vont, c'est à nous maintenant. Bonjour. Bonjour. Auriez-vous une chambre de prête? Pour se reposer une petite heure, s'il vous plaît. Nous allons regarder ça. Bien. Monsieur, ça sera donc la chambre numéro 44. Ah très bien. Voici la clé, ça vous fera 19$. Vous nous paierez lorsque vous nous rendrez la clé. D'accord super, je vous remercie. Bon, je te laisse une heure de repos, moi pendant ce temps-là, s'il y a de la place, je m'installerai là-bas, pour un petit café avec un donuts, et ensuite je ferai un peu de shopping. Ok, moi je serai à la chambre 44, et t'inquiète pas dans une heure je serai en forme pour reprendre la route. Bien, alors à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Someone pulls an easy trigger.
what's another? C'est quoi ces panneaux-là? C'est vraiment bizarre ici. Bon allez, direction chambre 44. Tiens, ça commence par la chambre numéro 13. Alors ça veut dire que le numéro 44 doit être plus loin. Numéro 22? C'est quoi ce délire? Les numéros ne se suivent même pas. Et à côté, c'est quoi le numéro? Curieux de voir ça. Ah bah, c'est ma chambre déjà. Bizarre leur numérotation. Trop curieux de voir le numéro de la chambre d'à côté. Numéro 666? Mais c'est le diable à côté? C'est beau être du marketing, mais ça reste étrange comme numérotation. Bon allez hop. Ne perdons pas de temps. Sympa la chambre. Bien. Je mets ma valise ici. Sympa la déco, il ne manque pas d'imagination ici, à ce que je vois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un lampadaire moderne? Curieux comme style, faut aimer. Je trouve ça moche, mais bon. C'est vraiment spécial ici. Ils sont très ovnis. Ah bah tiens. Moi aussi j'aimerais bien y croire. Bon allez. C'est bien tout ça, mais l'heure passe et je suis crevé. Bien. Je sens que je vais bien dormir. Chérie, John? John Douglas? Hein? Quoi? T'as dormi pendant 3 heures. Quoi? Comment ça? T'exagères pas un peu? Je t'attends depuis 3 heures au self. Oh désolé. Avec la route que nous avons fait depuis Atlanta, ça m'a épuisé je crois. Bien, bah j'espère que ça va mieux maintenant, car on n'est qu'à la moitié du chemin pour aller à Venice Beach. Oui je le sais. Mais c'est bon, je me suis bien reposé, ça devrait aller maintenant. Écoute chérie. Prends la clé, ferme la porte derrière toi, rends l'heure, et paie la chambre. Moi, j'irai faire le plein d'essence, pour ne pas perdre de temps. Ok, on fait comme ça. Vraiment très étrange ces panneaux, et en plus ça fout la trouille. Bon allez, le super, il est où? Eh, Madeleine, ouvre-leur. Oh c'est pas vrai. Mais revenez, cette voiture est à moi, c'est pas possible. Arrêtez-vous, au flûte. Je n'ai plus qu'à retrouver Doc, pour qu'il puisse m'aider. Bon, je vais prendre le raccourci là-bas. Mais, c'est qui, ce Gugus? Et c'est quoi encore, ce drôle d'engin derrière la dépanneuse? On est vraiment dans une drôle de région ici. Et chérie? Oh, tu m'as fait peur. En plus, je viens de voir encore quelque chose d'étrange. Attends, tu m'expliqueras plus tard, regarde plutôt ce que j'ai acheté dans la boutique du restaurant. Ah oui, c'est... Comment te dire? C'est une lampe moderne, très stylée. Très jolie, non? Ah ben oui, c'est une bonne idée de cadeau pour ta mère. Ce n'est pas pour ma mère. C'est pour notre chambre chez nous à Atlanta. Ah bon? Ce truc? Bon. Je t'invite à rentrer dans la voiture, pour prendre la route maintenant. Oui, tu as raison, ne perdons pas de temps. J'arrive. Je mets la lampe dans le coffre. Tiens, je vais t'expliquer ce que j'ai vu d'étrange, tout à l'heure à la pompe, en mettant de l'essence. Non. Tu sais, moi et les histoires sur le paranormal, ça ne m'intéresse pas. Je préfère remettre la radio. Ah ouais, sympa. Left the big city for the simple country life. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Pour regarder les panneaux. Alors prends l'autoroute. C'est à droite en prenant par Phoenix. Oui mais, Los Angeles est tout droit, et puis on a tout notre temps, on est en vacances, non? Ah oui. Et t'as pensé à ma mère? Qui nous attend impatiemment? Oh, encore ta mère? Elle peut attendre ta mère. Elle est à la retraite. Elle. Et puis aussi, nous ne connaissons pas cette région, alors profitons-en pour la visiter. C'est bien ce que je pensais, tu n'aimes vraiment pas ma mère,
Si tu l'aimais bien, tu aurais déjà pris la direction de l'autoroute pour arriver au plus vite chez elle. T'inquiète pas, on va la voir quand même, ta mère. Mais oui, bien sûr. Je ne t'entends plus. T'es fâché ? Non. J'écoute la musique. T'as vu le panneau ? Oui, j'ai vu. Et ça ne te fait rien ? Je te l'ai déjà dit. Tout ça, c'est du marketing. Peut-être, mais je trouve ça quand même étrange. Il y en a partout, des panneaux concernant les ovnis. Ne cherche pas à comprendre. Regarde, on n'est pas loin de la zone 51, c'est pour ça. Ah bah tu vois, je comprends mieux pourquoi maintenant. Tu parles. Et dis donc, il y a un drôle de camion derrière nous, et il nous fonce dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Vas-y, double si tu veux. Eh bien, il est vraiment pressé celui-là. C'est clair. Ah bah voilà autre chose. Maintenant il n'avance plus. C'est pas vrai ? Il fait exprès ou quoi ? Bon allez, je le redouble. Attention. Mais il est complètement fou celui-là. Il a bu ou quoi ? Maintenant, il ne veut plus nous laisser passer. Évidemment, la police n'est jamais là quand il le faut. Oh, impossible de le doubler, il prend toute la route. Bon allez, je retente, ce coup-là. C'est bon. Oh, attention. Oh la vache, c'était juste. J'ai l'impression qu'il essaye de nous faire provoquer un accident. Oh, ce n'est pas vrai. On est encore derrière lui. Tu m'étonnes. Il a accéléré exprès. Oh flûte. On n'arrivera jamais à le dépasser. Attends. Si. On a peut-être un espoir. Il a du mal à monter la corde. Oui, il est trop lourd. C'est bon. J'en profite avec mes 300 chevaux pour le doubler. Yes, super mon chéri. T'as réussi. Oui. C'est cool. Celui-là, il ne sera plus jamais devant moi. J'espère. Tu sais quoi ? Ça me fait penser au film qu'on a vu ensemble, il y a 2 ans au cinéma, c'était Duel. Tu t'en rappelles ? Oui, je m'en souviens, ce cinglé a dû le regarder aussi, même un peu de trop. En tout cas, celui-là, on ne le verra pas de sitôt, là je suis à fond, il ne pourra pas me rattraper. Oh non, j'y crois pas. Quoi ? Regarde derrière. Mais... il est vraiment cinglé. Il va nous mettre dans le fossé. Attention chéri, accroche-toi. Oh c'est pas vrai ? Ma Mercury, dans quel état elle est ? Non mais... regarde-moi ça, les décalcos sur les côtés sont complètement foutus. Je te parle même pas des pare-chocs avant. Chérie ? La peinture de la voiture en a pris un coup aussi. Chérie ? Non mais regarde le coffre, il ne se ferme plus. Chérie ? Regarde. Non mais regarde-moi ça, le pare-choc arrière est complètement défoncé. John, arrête. Et regarde plutôt, en face de toi. Hein ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Aucune idée. Ça ressemble à ta lampe moderne, que tu as achetée, mais 100 fois plus grande. Ça a l'air d'être métallique. Qui a mis ça là ? Ça n'a pas l'air d'être un objet fabriqué par des humains. N'importe quoi. C'est un monolithe, il paraît que les aliens en auraient installé partout sur la planète, pour nous surveiller, et ça leur sert aussi, d'antennes satellites pour pouvoir se diriger. Ça ressemble plutôt à un canular, je trouve. Je vais le toucher pour savoir de quelle matière il est fait. Attention à toi quand même. Ce n'est pas du métal, ni de l'or non plus, je ne sais pas ce que c'est comme matière. Allons voir derrière ? C'est sûrement creux ? Oui, allons voir. Ah bah non, ce n'est pas creux du tout. En tout cas, on se voit dedans, comme dans un miroir. C'en est peut-être un ? Un miroir dans un désert ? V'là autre chose. Pour moi, je suis sûr que c'est un monolithe, qui vient d'une autre planète. Ou plutôt une œuvre d'art, qui a été installée par des humains. Pourquoi ils l'auraient mis dans le désert ?
Ça n'a aucun sens. Pour faire parler les rêveurs comme toi. Ça fait au moins 3 mètres de haut. Effectivement, c'est très haut. Bon allez, on y va, car il faut encore retrouver la route. On ne devrait pas plutôt attendre 2 ou 3 heures avant de reprendre la route? Je dis ça, c'est pour ne pas retomber sur le camion fou. Oui, tu as certainement raison. Vaut mieux pas tenter le diable. Par contre, on est près de là où on est venu, on va aller plus loin, on trouvera bien un endroit mieux qu'ici. D'accord. Allez, go. Curieux quand même, ce monolithe. Ah, il y a un panneau d'indication là-bas. Je vais m'arrêter 2 secondes. Eh bien, il a l'air d'être très utile ce panneau. Oh, c'est pas vrai? C'est quoi cette blague? Il y a rien d'indiqué dessus. Ce sont mes yeux? Ou quoi? C'est pas possible. Il y a vraiment rien d'écrit dessus. C'est vraiment étrange par ici. Alors? T'as vu quelque chose? Non, rien n'est indiqué, mais on va continuer tout droit par là-bas. Eh bien, tout est abandonné ici. Il y a des vieux wagons partout. Écoute, on va se reposer un peu quelques heures. Ici, ça sera très bien. C'est très crépi par contre ici, mais pourquoi pas? Oui, je le sais. Mais au moins le camion ne nous trouvera pas dans cet endroit, pour nous embêter. Oui, c'est sûr. Bon, je sors, je vais m'aérer un peu. Ok, moi je reste là. C'est étrange. Je me sens observé, j'ai l'impression qu'on n'est pas seul. Pas toi? Moi, je suis plutôt crevé. Tu as raison, reposons-nous un peu. Alors, bien dormi? Pas du tout. Je n'ai pas réussi à fermer les yeux. Trop stressé peut-être. J'espère que tu seras pas trop fatigué sur la route. Non, c'est bon, ça devrait aller. D'ailleurs, je te propose que l'on prenne la route maintenant. Bon, ok, comme tu voudras. Je pense que le camion est loin de nous maintenant. Je l'espère. On time we borrow, time our children. Non mais, regarde-moi ça. Aucune indication sur les panneaux, à quoi ça sert d'en mettre? Ah là oui, cette région est effectivement étrange. Mais, tu sais quelle direction prendre au moins? Ça va, t'inquiète pas, j'ai le sens de l'orientation, on va prendre à gauche. Je te fais confiance. Sérieux, ces panneaux me troublent. Je me demande à quelle heure qu'on va arriver chez ma mère. À mon avis, demain, dans la matinée. Quand je pense qu'elle nous a attendus aujourd'hui, j'espère qu'elle n'est pas trop inquiète. Au prochain motel, tu l'appelleras d'une cabine téléphonique. Oui, c'est préférable. Someone pulls an easy trigger, puts another to the ground. Et mais, c'est quoi ça? Mais, qu'est-ce qu'il se passe? C'est un barrage. Il y a peut-être un accident? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Descendons de la voiture et allons voir de plus près. Tu vois ce que je vois? Oui, bah, dis-le. C'est un ovni. Oh, regarde là-bas. Des militaires, mais on joue. Un extraterrestre. Je n'en crois pas mes yeux. Et pourtant, regarde, il a même une arme avec lui. J'espère que les militaires ne vont pas lui faire du mal. Et mais, ils l'ont attrapé. Impressionnant. Et en plus, ils embarquent la soucoupe volante. Mais, où est-ce qu'ils vont comme ça? Je ne sais pas, mais on ne va pas s'amuser à les suivre, ni à les attendre. Ils s'en vont. Oui, ne perdons pas de temps,
Partons aussi et continuons notre route. Oui, ne restons pas là. Ça a l'air dangereux ici. C'était vraiment bizarre cette histoire. Oui, ça m'a glacé le sang. Je remets un peu la radio, ça va nous faire du bien. Oui, bonne idée, vas-y. What about the world we both believed in? Ah ben voilà autre chose. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Mais qui est-ce? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Aucune idée. Bonsoir messieurs. Que pouvons-nous faire pour vous? Tout ce que vous avez vu tout à l'heure ne doit jamais être répété à quiconque. Tout à l'heure? Non. Moi je n'ai rien vu, et toi Déborah? T'as vu quelque chose? Bah, non. Moi non plus. Je répète. Vous n'avez rien vu, et rien entendu. Sinon... Sinon quoi? Attention à vous, et aussi à votre famille. Déborah, ne cherche pas à comprendre, laisse tomber, ils n'ont pas l'air de rigoler. Oh la vache, ça c'est de la menace sérieuse. Mais qui sont-ils? Ce sont sûrement, ces fameux hommes en noir. Eh bien, j'ai eu la peur de ma vie, avec ces trois-là. Barré, à cause des travaux. Ce n'est vraiment pas notre veine aujourd'hui. Bon, je vais reculer, pour pouvoir prendre la déviation à droite. Goodbye le bitume, rebonjour la terre battue. Galère. Je pensais à un truc. Quoi? Faudra suivre les conseils des deux hommes en noir, je pense, ne rien dire à personne de ce qu'on a vu, pour éviter les ennuis. Oui. Tu as sûrement raison, il ne vaut mieux pas qu'on ait encore des autres problèmes. Attention, un coyote. C'est bon, je l'ai vu. J'espère que c'est la bonne route. Oui, t'inquiète pas, s'il y a une déviation, c'est qu'il y a une raison. On va bien pouvoir reprendre la route, un peu plus loin. En tout cas, c'est calme ici. Oui, c'est vrai. Il n'y a personne sur la route, aucune voiture rencontrée. On est vraiment dans un coin paumé ici. Stop, arrête-toi. Pourquoi? T'as pas vu les panneaux? Bah quoi? C'est interdit de franchir les barrières, et d'aller plus loin. Sûrement une propriété privée. Effectivement, lorsqu'on voit les panneaux, tout est fait, pour ne pas rentrer dans cette zone. On devrait plutôt faire demi-tour, non? À ton avis? Ben, à mon avis non. Car il y a sûrement une raison. Si la déviation nous fait passer par ici, on devrait sûrement retomber bientôt, sur la route quelque part là-bas. T'es sûr? Bah, t'as bien vu comme moi? Les panneaux de déviation de tout à l'heure? Oui mais... Bon allez, on avance. Mais, c'est quoi ça encore? Alors là, voilà autre chose encore. Sortie des véhicules. Vous avez franchi la zone. Or vous n'aviez pas le droit. Oui? Bonsoir messieurs. Je vais vous expliquer. Vous expliquerez ça à notre supérieur à la base. À la base? Quelle base? Il y a une base militaire ici? Allez monter dans la Jeep. Go. On y va. Le colonel Galeret. Veuillez nous laisser passer. Rien à déclarer? RS. Et le bleu, ouvre la barrière. Allez descendez, sans faire de gestes brusques. Mais, j'y crois pas. C'est l'OVNI. Allez avance. T'es pas là pour une visite gratuite. Bonjour mon général. Je vous emmène deux espions, nous les avons surpris rentrer discrètement dans la zone 51. Quoi? Des espions? N'importe quoi. Taisez-vous.
c'est moi qui pose des questions ici. Que faisiez-vous dans la zone 51? Vous savez que vous n'avez pas le droit d'y rentrer? Des panneaux vous l'indiquent. Ben voilà. Il y a une déviation sur la route qui nous a fait dévier, par ici dans votre zone. Jamais entendu parler de déviation. Et vous, colonel Galloway? Jamais entendu parler non plus, mon général. Alors, êtes-vous des espions soviétiques, chinois, ou autre nationalité? Mais, nous ne sommes pas des espions du tout, monsieur. Général, je suis général. Pas monsieur, vous allez passer en cour martiale, j'espère que vous avez un bon avocat. Mais, monsieur le général? Silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Et moi je suis le général tout simplement, colonel Galloway. Emmenez-moi ces deux espions au chaud. Bien mon général. Mais, mon général tout simplement, n'aggravez pas votre cas. Allez suivez-moi. Lieutenant Peterson, je vous amène deux clients. Bonjour mon colonel. Bien mon colonel, suivez-moi madame. Venez monsieur. Chérie? Ne t'inquiète pas. On va sortir d'ici, je te le promets. Allez, avancez. Je peux téléphoner au moins, plus tard. Alors mon colonel, les restes du gâteau de mon anniversaire, que je vous ai laissé ce midi, ça vous a plu? Ils étaient extraterrestres, lieutenant Peterson. Ah ben je suis bien content. Quelle histoire. Bien. Je n'en peux plus, je suis fatigué de tout ça, je vais me reposer un peu. Je serai plus en forme demain. Chérie? Chérie? John? John Douglas? Hein? Quoi? Où suis-je? T'as dormi pendant 3 heures. Quoi? Comment ça? T'exagères pas un peu? Je t'attends depuis 3 heures au self. Aussi tu savais? J'ai fait un cauchemar. La route m'a épuisé, je crois. Bien, bah j'espère que ça va mieux maintenant. Car on n'est qu'à la moitié du chemin pour aller à Venice Beach. Oui, je le sais, mais ça devrait aller mieux, maintenant. Écoute chérie. Prends la clé, ferme la porte derrière toi, rends l'heure, et paie la chambre. Moi, j'irai faire le plein d'essence, pour ne pas perdre de temps. Ok. On fait comme ça. Encore ces étranges panneaux. Tu m'étonnes que je fasse des cauchemars ici. Bon, c'est pas tout. Je dois faire le plein d'essence. Eh, ma DeLorean. Oh, voleur. Oh, c'est pas vrai. Mais revenez. Cette voiture est à moi. C'est pas possible. Arrêtez-vous. Au flûte. Je n'ai plus qu'à retrouver Doc, pour qu'il puisse m'aider. Bon, je vais prendre le raccourci là-bas. J'ai l'impression que c'est du déjà vu. C'est pas possible. Et chérie? Oh, tu m'as fait peur. Tu ne vas pas me croire, je viens de voir. Attends, tu m'expliqueras plus tard, regarde plutôt ce que j'ai acheté dans la boutique du restaurant. Oh non, le cauchemar recommence. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est une lampe moderne. Mais? C'est pour mettre dans notre chambre, chez nous, à Atlanta. Ça alors? Incroyable cette histoire. Dis-tu te fous de moi? Non. Bon on y va. Oui tu as raison, ne perdons pas de temps, j'arrive. Je mets la lampe dans le coffre. Tu sais, j'ai fait un drôle de rêve tout à l'heure, et... Oh tu sais moi, toutes ces histoires à dormir debout, ça ne m'intéresse pas. Tiens, je vais plutôt allumer la radio. Super, merci, sympa. Found myself a woman that it took for me to be my way. I was working on the ground, come the sun up to sundown. Hey, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Je réfléchis. Toi, réfléchir? Je sais très bien que tu voudras prendre ton temps pour arriver le plus tard possible chez ma mère. Donc, je sais très bien que tu vas aller tout droit. Eh bien, détrompe-toi. Nous allons tourner à droite et prendre l'autoroute à Phoenix. Quoi? Oui, car j'ai trop hâte d'arriver chez ta mère. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? T'as tombé sur la tête ou quoi? Crois-moi, c'est mieux comme ça. Oh bah moi, je ne suis pas contre, bien au contraire.